Voilà, c'est parti pour l'entre-deux-dents aujourd'hui. On voit Guy qui rentre là-bas au fond. Il fait beau. C'est beau ce temps. C'est beau ce temps. Magnifique jeu de mots, bien sûr. Et voilà. Là-bas, la voiture qui est dans le virage derrière le sapin. Et nous, on est monté par là. Et on arrive à l'entre-deux-dents dans laquelle on va faire des escalades et un peu de désab aujourd'hui. C'est parti. Voilà, nous sommes à l'entre-deux-dents et nous faisons une petite escalade. Avec Bruno et Guy. Et on va monter là-haut. On va monter là-haut, vous voyez, hop. Là-haut, voilà. On va monter là-haut pour voir s'il y a une suite. Un peu d'espoir, mais on ne sait jamais. La spéléo mérite d'être exhaustif. Suite de la galerie là-bas. On y va après. Là, on avance, dur, dur. Attends, c'est pas assez percé. Voilà. Et Bruno. Hop, parfait, je l'ai. Voilà. Ça va du bien, hein. Qu'est-ce qui t'est beau quand ça s'arrête. Et voilà, hop. Bruno qui est arrivé là-haut, hop. Une petite galerie qui part, apparemment colmatée. Et là, on voit bien le niveau de remplissage, je vous le montre. Voilà, il dit qu'il assure, hop. Alors Bruno, ça continue. Voilà, là ça s'arrête. Hein. Mais là il y a un bouchon, on voit clairement il y a des blocs qui sont tombés du plafond. Donc là on pourrait y déboucher. La galerie continue devant, c'est pas ventilé. C'est un peu, voilà. Une suite possible. Et moi j'ai fait une escalade. Voilà. Là ils sont en bas, Bruno et Guy. Et c'est reparti, on va descendre. Voilà. Restez pas trop en dessous, il y a les cailloux quand même qui vont risquer de débarrouler. Hein. Et on creuse à la griffe. Et derrière il y a peut-être une suite. Voilà. Hop. C'est très près de là où on a fait l'escalade avec Guy et Bruno. La griffe en spéléo. Un ustensile redoutable. Et voilà, on sort de l'entre-deux-dents. Avec notre fourche. C'est le Poséidon. Et voilà, en face. Le massif du Chablais, et quel beau temps. C'est beau ce temps. Voilà. Le 4x4 là-bas en bas, vous le voyez à la limite. Et on va aller plus au sol de la Pia, là, pour la suite de la journée. Avec Bruno. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui à l'entre-deux-dents. Et voilà, on est toujours à Boston. On est sur la faille du A3. La 3 qui est là au-dessus et en enfin fait dans une des aubes. Ça s'appelle le B117, c'est ça? Ouais. Voilà. Attention, on va les creuser. On donnera un vrai nom. Voilà, donc on est au fond du A3. Du B17. Du B17, excusez-moi. Le A3, il est moins 400. La sortie là-haut, la petite corde, au fond du B17 et on creuse. C'est parti, on déploie avant de percer. Et voilà la sortie. Ça va pas donner grand chose. La fissure du fond était étroite. Voilà le spéléo qui sort sur le beau soleil. Et dans l'Oda. Bonjour. Voilà, on est au A3. Avec au fond le bouchon qu'a fait Bruno, là-bas, en bas. Et là, l'entrée des revenants. Et voilà, l'entrée des revenants. Dans le bidon, pratique. Pour arriver directement dans le puits sans se risquer dans cette entrée. Glacée et péteuse. Et Boston. Boston sous le beau temps d'automne. L'été indien. La vallée devant. Le tuer. Les Dandoda. Et voilà. Superbe. Le soleil se couche sur Boston. Et on rentre dans la vallée. Et là, la pointe percée au fond à gauche. D'argile. Et on est en 4x4 et on descend. C'est parti. Donc le titre de la sortie, ce sera les fonds de tiroir à l'entre-deux-dents.
Et Bruno, la suite, c'est quoi déjà? Peu d'espoir, enfin le B117. Peu d'espoir au B117. C'est pas gagné au P117. Pas gagné au P117. Voilà, on rentre.